Dans sa politique de promouvoir la lecture en milieu scolaire, l'ONG Nklo Bakan, basée à Jacqueville, a initié plusieurs concours. Les demi-finales des concours de slam, d'art oratoire, de lecture à haute voix se sont déroulées à la salle polyvalente de l'église catholique Saint-Pierre. Présente en tant qu'invitée d'honneur, la présidente de la fondation Amadou Ampateba s'est réjouie du niveau intellectuel des candidats. Si les élèves sont au niveau, c'est parce qu'ils ont des bons encadreurs. C'est le lieu de remercier aussi l'État de Côte d'Ivoire qui a mis une œuvre d'Amadou Ampateba au programme, notamment Petit Godiel. Et là, il nous a été donné de revisiter L'étrange destin de Wangrin qui a eu le grand prix littéraire. On a choisi un passage et le but ultime de ce passage était de sensibiliser la jeunesse sur les abus de la boisson, le sang d'agneau, le sang de lion. Ces compétitions s'inscrivent dans le cadre du mois du livre, initié par l'ONG Nklo Bakan, dirigé par Geneviève Akadagri.